stai lontana e come vidi e come vidi. E in faccia te alla fenescia dell'opponente, dell'opponente. E ci senti fritto sotto i miei sospiri, i miei sospiri. E ci senti caldo e te, stupore ardente, stupore ardente. E ci vidi onde amare, nulla di mire, nulla di mire. E son tu le lacrime mie, fiumi correnti, fiumi correnti. E ci bell'aria senti, usci e lamenti, usci e lamenti. Sui e uca te chiamo, ma non mi senti, ma non mi senti. Bonjour, je suis Maria Mazzotta et chanteuse. Je viens du sud d'Italie, ça veut dire les Pouilles ou le Salento, qui c'est la dernière partie des Pouilles. Bon, j'habite un peu de chez moi, parce que c'est toujours chez moi le Salento, et un peu à Marseille, l'hiver. Je suis en tournée avec ce nouveau projet qui s'appelle Amore Amaro. Et en fait, pour moi, c'était un peu l'envie déjà de retourner en Italie. Comme j'avais déjà fait des expériences avec le violoncelliste albanais Redi Asa, où on avait essayé de faire un peu des musiques des Balkans, donc de l'Albanie, de la Grèce. Et j'avais envie de revenir à l'Italie. Et donc, je voulais parler d'amour. Donc, le CD, le spectacle, il parle tout le temps d'amour. C'est que des chansons d'amour qui raconte un peu différents, comment dire, faces de l'amour. L'amour pour sa propre terre, l'amour pour l'enfant, l'amour pour quelqu'un qui l'est plus. Et c'est que des chansons italiennes. Toujours, c'est un peu un voyage entre différentes régions de l'Italie. Moi, le chant, c'est vraiment de me libérer des choses, de quelque chose qui autrement je ne peux pas libérer. Et donc, tous mes projets, toutes les choses que j'ai fait, et je le fais parce que pour moi, ça passe naturellement. Parce qu'il y a quelque chose entre moi, à l'intérieur, comme de profond qui sort et me libère des énergies, des choses. Bruno Galeone, ça fait longtemps que je le connais, et on a aussi travaillé pour de différents projets ensemble. Et comme dans ces projets, il y a beaucoup des émotions qui parfois c'est difficile à gérer. Sur la scène, par exemple, quand je chante, il y a des moments où j'ai vraiment envie de pleurer et je ne peux pas, c'est évidemment. Et j'ai trouvé dans Bruno Galeone une douceur, comment dire, une élégance, et comme en italien ça se dit la quiete, la paix. Moi je suis la rage, tout ce qui, le mal qui sort, comment dire, pour me libérer, et lui il me calme, et c'est pour ça que j'ai choisi lui. Avec ce Covid-là, ce qu'on a passé, c'est un peu, oui, c'est un peu bizarre. Et aussi, de voir le public qui est loin, ça me fait un peu froid. Et donc, c'est surtout ça la difficulté, j'ai l'impression que le public, il n'est pas avec moi complètement, totalement.
Et pour moi, tout ce qui est passé, c'est beaucoup triste pour les personnes qui ont perdu quelqu'un. Et donc, moi, je crois d'avoir de la chance et de pouvoir être en santé déjà et de pouvoir être sur des scènes, n'importe quelle scène. À la fin, je crois, c'est pas important si c'est une grande scène, c'est le public qui fait la différence. Quand le public est chaleureux, c'est comme si c'est pareil si tu es sur une grande scène. Voilà. Moi, j'étais en pleine tournée quand la pandémie s'est commencée. J'étais à Vienne, en Austrie, et j'avais fait Paris le 9 mars. Et le soir, quand j'ai fini le concert, ils m'ont dit « Oh, l'Italie, c'est fermé, c'est lockdown, tu ne peux plus rentrer ». Donc, c'était horrible. C'est quelque chose qui, encore maintenant, ça me fait un peu bizarre, comme on dit. J'ai réussi à rentrer en Italie et la situation c'était dramatique parce qu'on avait 1000 morts par jour et c'était des numéros énormes pour moi. Et j'ai fait aussi plusieurs interviews pendant ces moments. Et quand ils me demandaient comment tu vis, comment tu sens la situation, je disais mais il ne faut pas s'inquiéter pour nous, il faut s'inquiéter pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont à l'hôpital ou qui ont des problèmes. C'est vrai que j'avais une tournée tout l'été, j'avais 50-60 dates en Europe et aussi en dehors de l'Europe qui sont annulées ou déplacées pour l'année prochaine. Mais je continue à dire ça, c'est pas grave en face à tous et à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. C'est pas, comment dire, important. Guardamo e non guardamo, la terra sta collassa
e non guardiamo. Grazie.